Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien sur Thor et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, épisode 10 de Bowser Fury. Et aujourd'hui du coup c'est la dernière vidéo, on a fait le 100%. Ce fut vraiment bien. Franchement. Alors on peut aller voir la map, hein, carte. Donc voilà, et... donc oui, ce qui est bien, c'est qu'en vrai, on fait plusieurs fois des combats, plusieurs fois des quêtes, etc. Et en vrai, c'est sympa. Il y a aussi tout un petit univers, etc. Chaton, les Toads, les Toadettes, etc. Puis le jeu en lui-même, il est bien. Ouais, rien de plus à ajouter, on a fini. Paf. En tout cas, on va aller là-bas quand même. Tac. Et en vrai, je me suis jamais ennuyé. Parce que même si c'était un peu chiant, parce que je me suis dit, non, va falloir le 100%. Pour battre, pour faire le boss final, mais au final non. Quand j'ai vu que 50 c'était bon, bah... Ah, les cloches et tout. L'or a réapparu. Tac. Voilà. Et en plus, Mario, il est vraiment, vraiment stylé comme ça. Mario Fury. Malgré tout, on a quand même le petit... Bowser qui est avec nous et qui se fight à nos côtés. Et là, c'était là où on a spawn normalement. Ouais, c'est là où on a spawn. Tac, on a spawn ici. Et là, regardez. On a les Toads. Non, franchement. Bon, bah, j'ai plus rien à faire, mais franchement. C'est incroyable. Ah merde, je pensais qu'on pouvait le faire re deux fois pour qu'il repeigne, mais non. Paf paf paf. Ça fait un peu à la Odyssée. Ils ont gardé un peu ce... Ah non, c'est même avant, je crois. Odyssée est sorti avant. En tout cas, c'est un peu dans le même thème. La sphère là. Avec les étoiles, etc., les lunes. Franchement, la beauté du jeu. Non, franchement, je regrette pas. En tout cas, je crois qu'il n'y a aucun jeu que je regrette, mais... Eh ben... En vrai, j'ai rien à dire. Rien à faire. Mais certes, le monde est assez petit, mais c'est parfait, c'est vraiment parfait pour ce jeu. C'est un... Ouais, je crois que c'est un DLC, c'est pas un jeu. C'est comme Isle of Sipta pour Conan Exile. Conan Exile, il est beaucoup plus complet, comme Mario 3D World. Mais Isle of Sipta, bah certes, c'est un DLC, donc il n'y a pas énormément de choses par rapport à The Island. Enfin, The Island, c'est dans Ark, mais... l'île basique quoi. Bref, et ben nous du coup on va déjà s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, c'est tout le temps, le objectif, et ciao.